Bonjour à tous les présidents de parti qui sont présents, les corps diplomatique. Et avant de commencer, je voudrais adresser aux militants de l'AEC tout le respect que j'ai pour vous, pour le combat que vous menez. Et depuis si longtemps. L'opposition togolaise est une formidable force de contestation. On sait le faire. En tant que CSP, 2012, vous avez montré ce que l'opposition togolaise était capable de faire. Au temps de la coalition C14, le peuple togolais a montré ce qu'il était capable de faire, mais je pense qu'il est temps que nous transformions cette force de contestation en force de conquête du pouvoir. C'est vrai que ce n'est pas facile, nous avons énormément de divergences. Et quand je suis dans le congrès de l'ANC, je ne peux pas ne pas retourner à l'Afrique du Sud. Pour parler de l'ANC qui luttait contre l'apartheid, ils ont connu à l'intérieur de leur parti énormément de divergences, qu'ils ont réglées parfois à coups de Kalachnikov. L'opposition togolaise n'est pas ce niveau-là. L'ANC a fini par retrouver sa force de conquête du pouvoir en laissant les armes de côté. Oui, c'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup de jeunes dire il est temps de prendre les armes, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que nous puissions nous rendre compte que nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Parce que parfois nous oublions et nous travaillons dans nos partis comme si nous étions dans un environnement démocratique. Je vais simplement vous rappeler que le Togo est classé dans le monde parmi les pays qu'on appelle pays autoritaire. C'est le mot le plus doux pour caractériser les pays dictatoires. Et le Togo est placé dans le même groupe que la Corée du Nord. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner comme dans nos partis comme si nous étions dans un pays démocratique. C'est pour ça que nous devons surpasser nos divergences pour aller au-delà de ce qui nous paraît simple. Et ce qui nous paraît simple, c'est ce que nous allons toujours su faire parce que nous maîtrisons cette chose, c'est la mobilisation populaire. Nous savons faire. Personne ne peut dire le contraire. C'est une force formidable. Et souvent, nous entendons sur les réseaux sociaux, nous lisons les jeunes dire « En Tunisie, le peuple s'est levé, ils ont pris le pouvoir. » Au Soudan, plus récemment, le peuple s'est levé, ils ont pris le pouvoir. Mais le Togo s'est toujours levé. En 2005, on nous a tiré dessus, on n'a pas pris le pouvoir. Au Soudan, on a tiré sur la population, mais ils ont pris le pouvoir après. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui nous manque, nous, au Togo, pour franchir cette dernière étape? Il nous manque simplement de prendre en compte tous les facteurs de conquête du pouvoir. Et il nous en manque quelques-uns. J'espère que le congrès de l'ANC va réfléchir sur ces questions et va ressortir avec tous les facteurs qui permettront au peuple togolais d'atteindre l'objectif final, c'est-à-dire non seulement gagner les élections comme nous l'avons toujours fait, mais être capable d'avoir l'effectivité du pouvoir. Je vous souhaite un bon congrès.